africain, un bilan. Jerry Michel, à droite, qui, de Paris 8, Vincennes à Saint-Denis, se propose de nous parler des stigmates de l'esclavage et de la colonialité dans les relations sociales en Haïti. Marie-Alban de Surmain, donc, qui est en ligne et qui propose un bilan de l'enseignement actuel de la tête négrière et l'esclavage colonial en France et son articulation, aux avancées de la recherche historique entre appropriation, segmentation et invisibilisation. Lucie Mboni, qui est à ma gauche et qui, de l'Université de Chang, se propose de travailler sur les jeux et enjeux de la transmission de la mémoire des esclavages à travers les musées, les chefferies, dans les Grassfields du Cameroun et dont la communication fait écho en certain nombre de débats qui ont eu lieu tout à l'heure et sur lesquels je pense qu'on va revenir. Et enfin, à ma droite, Agnès Vergne de l'Université Cergy, ça s'appelle Cergy Paris maintenant, voilà, qui se propose justement de faire une enquête sur le concours La Flamme de l'Égalité, un objet pour étudier les finalités de l'enseignement scolaire de l'université des traites, pardon, de l'histoire des traites et de l'esclavage colonial en France. Donc je vous remercie tous d'avoir proposé ces communications que je vais essayer de résumer en soulignant d'abord, avant de commencer, la diversité de ces communications, l'intensité de vos propos et peut-être un peu la difficulté que j'aurai à résumer l'intensité de ces propos. C'est peut-être la raison pour laquelle, si je fais l'impasse sur un certain nombre de sujets, je compte sur vous pour pouvoir rétablir la vérité de votre propre objet. Alors cette table ronde donc, qui regroupe 6 communications porte sur les actions éducatives et citoyennes autour de l'esclavage, comme je viens de le dire, telles qu'on peut les voir à l'œuvre en Europe, en France en particulier, aux Amériques, en Haïti, on aura l'occasion d'y revenir, et en Afrique. Il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de l'Afrique du Nord ou bien de l'Afrique subsaharienne, pardon d'utiliser cette expression qui a été contestée, mais je l'utilise quand même. Donc pour les auteurs de ce panel, ces actions posent des problèmes des lieux où s'érigent ces actions, que ces lieux soient des lieux institutionnels ou non, de leur modalité de transmission, quel que soit le lieu de cette transmission, que ce lieu soit structuré ou pas, ou les formes, ainsi que les processus de reconnaissance et de valorisation des contenus de ces différentes actions. Les différentes communications ont donc en commun d'interroger le rapport des institutions, quelles qu'elles soient, et quelle qu'en soit la nature, à la transmission et la mémoire des esclavages. La première, donc, est l'institution scolaire, dont la France hexagonale ou métropolitaine est un bon exemple. Agnès Vergne, ici à ma droite, donc de l'Université de Cergy-Pontoise, interroge l'efficacité de la flamme de l'égalité proposée comme action citoyenne aux élèves de l'enseignement secondaire. Marie-Alban de Surmain, qui est en ligne de l'Université de Créteil, constate pour sa part que l'enseignement actuel de la traite négrière et de l'esclavage colonial en France se situe entre appropriation, invisibilisation et normalisation. La seconde institution qui nous intéresse est une institution culturelle. Jean-Louis Donadieu remarque qu'à côté de l'école, la transmission de terrain, c'est bien son expression, de l'histoire de l'esclavage, relève d'une entreprise qu'il considère comme étant empirique. Lucie Mboni-Nankin, à ma gauche, de l'Université de Chang, interroge la nature, la qualité et l'efficacité de la mémoire transmise dans les musées érigés par les chefferies des Grassfields camerounais. La troisième est l'institution que j'appellerai sociale par défaut, en essayant bien sûr, n'est-ce pas, de regrouper ici deux interventions, celle de Lotte Pexman de l'Université de Copenhague, qui interroge l'action des mouvements anti-esclavagistes en Afrique francophone en nous proposant une vaste cartographie qui nous fait voyager du nord au sud du Sahara, entre Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Tchad, Congo, etc., avant de nous plonger dans une analyse sans complaisance de l'efficacité de ces actions mémorielles. Michel Géry, de l'Université de Paris 8, prend appui sur le cas de l'île d'Haïti pour montrer que les relations sociales actuelles dans cette première république noire portent, je cite son expression, les stigmates d'une histoire de l'esclavage tronquée ou d'une colonialité refoulée. On aura l'occasion de revenir sur ces expressions tout à l'heure. Donc vous avez très bien compris que je viens de poser là le cadre général de ces contributions et à la française, j'ai été obligé de le faire en 3 points. Donc premier point donc, c'est la transmission par l'école, les enjeux et les problèmes. Alors toutes les communications qui s'intéressent à l'institution scolaire, comme le premier lieu de l'exercice de cette transmission de l'histoire de l'esclavage en France, font l'évaluation de l'efficacité de celle-ci. Comment l'école a-t-elle reçu, appliqué, transmis cette injonction de connaissance ou cette injonction de mémoire ? Dans le contexte de l'enseignement de l'histoire en France, qui vise à une triple fonction morale, intégratrice ou sociale et civique, selon les mots que j'emprunte, bien sûr, ici à Agnès Vergne. Agnès Vergne interroge justement l'efficacité de la flamme de l'égalité proposée aux élèves des classes secondaires dans un contexte de concurrence des mémoires, des traumas de l'histoire du temps présent,
trauma qui relève aussi bien de l'histoire de la Shoah que de la guerre d'Algérie, deux moments de l'histoire importants en France, on le sait très bien. La fin de l'égalité peut être vue comme, l'expression qui suit est de moi, comme un prêt à manifestation de citoyenneté. Elle a été convoquée, on le sait, régulièrement au cours des années 2000 pour lutter contre l'antisémitisme réapparu en France au début des années 80. Et en faisant du devoir de mémoire un étendard du devoir civique, les institutions d'éducation, et en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale français, et non plus le ministère de l'Instruction publique, je le signale à toutes fins utiles, ne peuvent y aboutir qu'en rattachant le récit national à tous les faits nationaux auxquels appartient l'histoire de l'esclavage. Or, les séquences pédagogiques qui construisent le récit sont en décalage par rapport aux exigences du second. Les obstacles nés de ce décalage obligent les enseignants à dépasser le cadre général imposé par l'enseignement de ces disciplines historiques dans les classes. C'est tout au moins le constat auquel parvient Agnès Vergne. L'analyse du système scolaire que nous livre Marie-Albane de Surmain aboutit à un même constat. Spécialiste des questions de l'enseignement de l'histoire, auteur entre autres avec Éric Ménard de « Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages », elle montre comment l'histoire des esclavages a été inscrite dans les manuels scolaires, au collège et au lycée, lycée professionnel et lycée général en France, et souligne les problèmes divers et variés que pose le respect des instructions ministérielles dans les manuels scolaires, problèmes qui se situent entre programmes anciens et nouveaux, entre les manuels anciens et leur articulation nouvelle, entre les programmes scolaires et leur redéfinition, entre les sources et leur établissement. Je passe sur les divers problèmes que soulève ici, bien sûr, la mise en place de ces manuels scolaires. Et elle s'appesantit aussi sur les outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants à travers les cartographies, les films et autres outils qui sont des outils dits pédagogiques dont disposent souvent les enseignants pour les enseignements d'histoire-géographie et de morale civique. L'enquête sur les pratiques pédagogiques qu'elle a menées montre, selon son expression, une relative normalisation de cette histoire de l'enseignement scolaire. 20 ans après la loi Taubira et à travers un panel représentatif d'enseignants expérimentés de l'Académie de Créteil, elle montre comment ces enseignants mettent en œuvre les ressources pédagogiques dont ils disposent pour faire comprendre le sens de cette histoire aux élèves, aussi bien dans le domaine de l'histoire-géographie que dans celui de l'enseignement moral et civique. Il en résulte donc, selon l'auteur, une approche optimiste de cette transmission de l'histoire de l'esclavage dans les classes scolaires à partir de ce qu'elle appelle la liberté pédagogique des enseignants, qui se traduit par des initiatives remarquables et novatrices. Celle-ci souligne la richesse de cette question historique et les prolongements qui peuvent lui être apportés, même dans une académie fort éloignée d'un ancrage géographique atlantique, pour reprendre son expression. Ces expériences, selon elle, pourraient donc être transférées à d'autres classes et dans d'autres contextes scolaires. L'enseignement de la traite et de l'esclavage négrier sont loin d'être une histoire à part et peuvent être justement conduites à travers les apprentissages historiques et les démarches extrêmement créatrices et fécondes pour l'ensemble des élèves, sans préjuger de leur origine et de la discipline scolaire auxquels ces enseignements font référence. Le deuxième axe de ces différentes contributions porte justement sur les institutions que j'avais appelées ici culturelles. Et ces institutions culturelles sont aussi des moyens de transmission de cette histoire. L'enseignement scolaire ne s'avère donc pas être le seul moyen de transmission de l'histoire des esclavages. Dès lors que celle-ci ne figure pas toujours dans les manuels d'histoire, c'est d'autres lieux qui construisent une fonction citoyenne. C'est vers une histoire méconnue que se tourne précisément Jean-Louis Donadieu dans sa contribution consacrée à, je cite, « la transmission du terrain ». L'histoire de l'esclavage prend parfois place dans des lieux insoupçonnés qui témoignent du rapport de ces histoires à la mondialisation. C'est le cas de l'histoire de la famille Noé qu'il prend pour exemple, à laquelle il s'intéresse. Originaire de l'île de Noé, en Gascogne, le comte Louis Pantaléon de Noé, né en 1728 et mort en 1816, grand passionné de la colonie de Saint-Domingue, a très probablement, selon lui, favorisé l'affranchissement du futur Toussaint Louverture, alors esclave. Bien plus tard, les Noé ont conservé une canne en bois de Gaillac, dont la tradition familiale raconte qu'elle a été envoyée par Toussaint Louverture au comte, objet désormais conservé au musée des Beaux-Arts de Mirande. De cette découverte va naître, chez l'historien de terrain, la conviction qu'une histoire française des relations entre les territoires et les régions de métropole à l'esclavage est nécessaire à leur transmission. Jean-Louis Donadieu plaide ainsi pour une recherche historique locale étendue à tous les lieux de fabrique de l'histoire, autres que les ports négriers, par exemple le Berry, la Picardie ou l'Albigeois. Et si je ne prends que le cas de la Picardie, il est bien évident que la Picardie n'a pas du tout un rapport avec, en apparence, avec la traite transatlantique.
Et c'est bien de ces histoires qu'il faudrait partir pour pouvoir refabriquer une histoire locale de l'esclavage. Il pense que le travail de l'historien consiste aussi à faire des monographies en se fondant sur, je cite, des papiers privés, notamment des habitations, des correspondances, des documents comptables, des plans, mais aussi sur des papiers publics, des actes notariés, des fonds privés déposés aux archives départementales, des papiers religieux confisqués à la Révolution par exemple, comme ceux de l'hôpital des Pères de Charité de Saint-Pierre en Martinique, conservés dans le Gers. Et évidemment, en se fondant sur ces histoires monographiques locales, il s'agit de donner une plus grande visibilité à des lieux de mémoire, comme la maison de la négritude de Champagné, dont la création remonte en 1971, c'est-à-dire longtemps avant le musée de Nantes, ou à des actions comme celle de Boubacar Joseph Ndiaye, qui a consacré sa vie entière à l'histoire de l'esclaverie de Gorée pour en faire un symbole de la traite négrière. Pour qu'il fasse citoyen, donc, ce travail de l'historien de terrain doit être guidé par quelques exigences sur lesquelles il insiste. Première exigence, diffuser éthique et méthode. Seconde exigence, faire un travail de longue haleine sur le long terme. Troisième exigence, il s'agit de ne pas faire la culpabilisation sélective ou de discours repentants. Quatrième exigence, une histoire ne doit pas être faite de manichéisme entre, bon, une Afrique qui serait toujours victime et méchant, un Occident qui serait toujours oppresseur. Cinq, une histoire engagée et non pas coupable. 6. Enfin, retrouver à travers cette histoire la dignité de la personne. On aura sans doute l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces exigences pour insister simplement ici sur le fait que cette exigence autour d'une histoire qui est une histoire locale prend déjà place, on le sait très bien, dans des histoires qui sont faites par les historiens en France. Je le signale simplement à toutes fins utiles, mais ça peut faire l'objet d'un débat. Un deuxième lieu de mémoire concerne justement les musées des chefferies des Grassfield, à qui Lucine Bonny a consacré sa contribution. Cette, je cite, « cette mémoire de l'esclavage transatlantique est matérialisée au musée de l'esclavage de Bamenjinda, qui, je cite encore, est l'un des rares musées d'esclavage dans les Grassfields et plus largement au Cameroun, par l'image d'un navire négrier dans une perspective de souvenance, de représentation vertueuse et de transmission de cette mémoire. » Fin de citation. Mais ce sont les objets, en particulier les statuettes, une monnaie, les kouris, les barres de fer, les chaînes sur un pied, réunis dans ces lieux, ainsi que les cartes des routes de l'esclavage interne qui permettent de maintenir vivante la mémoire de cette histoire de l'esclavage. L'enjeu pour elle de cette présence est, je cite encore, pour les chefs notables et patriarches consultés dans le cadre de l'enquête de terrain, la monstration, la transmission, la pérennisation de la mémoire des esclavages dans les musées des chefferies Grassfield, qui participent non pas d'une tentative de remémoration nostalgique d'une mémoire conquérie, mais plutôt d'une réelle volonté de transmettre cette mémoire à travers les générations pour s'en départir et pour s'en offusquer dans une éthique thérapeutisante. Fin de citation. Sans doute faudrait-il interroger cette dimension officielle de l'installation d'une histoire de l'esclavage interne et les comparer à d'autres musées, par exemple le musée de Bamenjinda, d'autres musées dont il a été question tout à l'heure. Et alors interroger sans doute cette volonté qui est une volonté officielle de faire officiellement histoire de l'esclavage dans les espaces officiels de la pratique de l'esclavage. C'est sans doute sur ce point que j'aimerais sans doute vous entendre tout à l'heure. Le troisième et dernière modalité de transmission, c'est la transmission par ce que j'appelle les institutions sociales. J'utilise ici l'expression d'institutions sociales de façon incommode pour pouvoir regrouper, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux communications. Et la première, c'est celle de Lotte Pellemans, dont la contribution commémorée et problématiser l'esclavage à travers l'activisme sur le continent fait un bilan, un vaste bilan historique des différentes associations qui œuvrent au nord et au sud du Sahara. Il n'est pas possible ici de faire une synthèse complète de l'ensemble de toutes les associations. Il y en a plusieurs, d'autant qu'il ne s'agit ici que d'une histoire, qui soit une histoire contemporaine de ces associations, puisqu'on ne remonte pas, justement, n'est-ce pas, dans les temps qui sont des temps anciens, 19e siècle, ou bien même au début du 20e siècle. Disons que c'est une histoire du 21e siècle en allant très vite. Histoire contemporaine, donc. On peut tout de même souligner que cette histoire insiste sur le fait que ces associations qui, au Mali, au Sénégal, au Tchad et au Maroc, en Tunisie ou au Nord-Bénin, en Égypte ou dans la communauté soninké en France, au Niger et en Mauritanie, se mobilisent contre la pratique persistante de l'esclavage par ascendance, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, malgré les abolitions promulguées dans plusieurs pays africains. Elles montrent, ces associations et leurs activismes en particulier, comment les stigmates de l'esclavage entravent souvent l'accès des personnes à mobilité sociale, à la propriété foncière, à l'héritage ou à la représentation politique ou bien aux positions religieuses. Ces associations remplissent en réalité une fonction politique, non seulement en créant des institutions comme le G5 Sahel contre l'esclavage, en référence, on le voit bien, à la situation de la guerre actuelle en Afrique de l'Ouest, je pense ici bien sûr, n'est-ce pas, au G5 Sahel, leur activisme jette au contraire une lumière crue
sur les politiques scientifiques à l'œuvre dans l'historiographie continentale. En effet, ces associations viennent montrer comment les formes contemporaines africaines d'ascendance, fondées sur et ou héritées de l'esclavage interne, ont longtemps été considérées, selon elles, comme un angle mort des sciences sociales. Cet activisme jette une autre lumière sur les pratiques hypocrites des politiques de la mémoire qui, d'un côté, abolissent l'esclavage et de l'autre, fonctionnent sur un laxisme coupable qui laisse perdurer une situation d'esclavage inacceptable. C'est un retour à une histoire locale, réelle, à laquelle invite, selon Lotte Persmans, l'activisme des associations. Je la cite, c'est la sensibilisation à la grande échelle, au niveau local, dans les langues locales, auprès des populations locales, auprès des populations souvent analphabètes et ou très pauvres, qui constitue l'essentiel du travail de mémoire qu'effectuent les mouvements anti-esclavagistes. Ils incitent à ne pas oublier l'histoire de l'esclavage et à ne pas accepter tous les héritages comme des faits acquis de la vie sociale dans les sociétés respectives des populations. J'aimerais bien sûr qu'on revienne un tout petit peu sur cette vision, qui est une vision peut-être un peu optimiste, mais qui peut être critique. Cet optimisme, engendré par l'activisme des populations, fait penser que l'historiographie africaine aurait intérêt à s'appuyer aussi sur, en même temps que, un autre discours mémoriel, et qui celui-là serait justement construit par les différentes associations. Si l'optimisme domine la réflexion sur la transmission citoyenne de la mémoire, optimisme raisonnable et tempéré, la transmission de la mémoire dans le cas d'Haïti est problématique pour le sociologue. Selon Michel Géry, cette mémoire de l'esclavage repose sur une sorte de double bind, la construction de l'histoire du passé et son inscription dans le présent et l'actualité. La première, la construction de l'histoire, entre en conflit avec une société en constante évolution et qui interroge constamment ses rapports à elle-même, tandis que la seconde, son inscription dans le présent, pose le problème des usages sociaux et politiques de toute mémoire. Cette confrontation va trouver avec les actualités haïtiennes des années 2000 une expression particulièrement prégnante. C'est le cas avec les diverses éruptions sociales des années 2000 ou du tremblement de terre de l'année 2010. Il souligne ainsi la nécessité de poursuivre le travail de quête archéologique, travail souvent négligé de fouilles et de patrimonialisation des sites d'esclavage en Haïti. L'absence de ce travail conduit peu à peu à l'effacement de cette histoire et sans doute, même s'il ne le dit pas ainsi, à une méconnaissance en profondeur des méandres de cette histoire préalable à sa transmission. Dans ces conditions, ce qui reste de l'histoire de l'esclavage en Haïti relève encore du trauma, de la souffrance et de l'humiliation, ou, dans le meilleur des cas, de la littérature, en une apologie du pays, un hymne, ses pères fondateurs, une ode, ses paysages et un nomade à la race noire. La mémoire repose ainsi pour l'essentiel sur un refoulé historique. L'insurrection collective imposée permet de jeter un voile pudique sur les mouvements sociaux post-indépendants, celle de 1804 bien sûr, ainsi que sur les attitudes ambiguës des esclaves, les esclaves des champs et les esclaves d'habitation, qui ne furent pas tous héroïques, loin s'en faut. Le paradoxe que le sociologue soulève ici est celui d'une nation qui fut la première République noire et qui souffre des mêmes maux que d'autres sociétés, à savoir l'absence d'un chapitre sur le sujet dans les manuels scolaires et l'absence d'un centre de recherche dédié à l'histoire de l'esclavage dans la première République noire. La recherche sociologique vise à retrouver les traces mémorielles persistantes et récurrentes, notamment à travers les expressions socioculturelles manifestes dans l'art de l'oralité. Est-ce une porte ouverte pour travailler sur l'audience, cet art du récit particulier haïtien, ou bien un intérêt particulier pour l'histoire culturelle, avec une orientation pour les archives orales et un travail consacré à la mémoire secrète des familles? Il me semble que c'est sur ces questions qu'il faudrait sans doute se pencher. Vous l'avez très bien compris, les lieux de transmission scolaire, muséographique ou politique soulèvent ceux de la reconnaissance des objets sur lesquels peut porter une mémoire et sur l'efficacité de cette transmission de génération, d'une génération à l'autre. Donc c'est sur ces questions. Je m'arrête là pour ne pas abuser de mon temps. Et donc, j'aimerais entendre chacun de nos panélistes à travers les trois points que j'ai évoqués tout à l'heure, l'institution scolaire. Donc, je vais commencer par donner la parole aux deux premières intervenantes, à savoir Agnès Vernissi et puis en ligne Marie-Albane de Surmain. Ben oui, dans cet ordre-là. Merci beaucoup pour le résumé de nos interventions, qui, je pense, étaient très riches. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, moi, je travaille sur un concours scolaire sur l'histoire et les mémoires de l'esclavage en France.
Je voulais peut-être revenir sur le contexte de création de ce concours scolaire qui s'inscrit en fait dans le mouvement de reconnaissance de cette mémoire-là et de la caractérisation des traites et de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, donc avec la loi de 2001, qui s'inscrit plus largement dans un mouvement, notamment d'associations de descendants d'esclaves à partir des années 80-90 et qui s'est cristallisé en 98 avec la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mais dans cette loi de 2001, l'article 2, en fait, prescrit de donner une place plus importante à cette histoire-là dans l'enseignement scolaire français notamment. Et à la suite de cette loi, donc le Comité national pour la mémoire de l'esclavage a été créé, et c'est ce comité-là qui est à l'origine de la création du concours scolaire qui s'appelle La Flamme de l'égalité en 2015. Donc voilà pour le contexte de création du concours. Je dirais que c'est un objet d'étude qui est à la marge et qui n'est pas du tout représentatif des pratiques d'enseignement de l'esclavage aujourd'hui en France. Cependant, mon corpus de recherche est intéressant à plusieurs points, notamment parce qu'en fait, j'ai accès à des productions des élèves, en fait. Et du coup, je rectifie juste aussi et je précise que ce concours scolaire s'adresse aux établissements du secondaire, mais aussi du primaire, puisque c'est une question qui est dans les programmes scolaires dès la classe du CM1. Et donc, il y a trois catégories de participation à ce concours, dont la catégorie école élémentaire. Et du coup, dans mon intervention, en fait, je souhaitais interroger, c'est un des axes de recherche de ma thèse, je souhaitais interroger les enjeux de l'enseignement de cette histoire à travers ce concours-là qui, en fait, oriente cet enseignement historique vers des enjeux mémoriels et civiques. Je voulais juste vous lire en fait l'introduction du règlement de ce concours qui pose en fait les bases de ces enjeux de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. Donc je cite, ce concours vise à faire connaître l'histoire des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions, de leur survivance comme de leurs effets et héritages contemporains. Il participe en cela à l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs républicaines. Il contribue à la construction d'une mémoire collective autour de valeurs partagées afin de favoriser le sentiment d'une appartenance commune autour de la défense de la dignité humaine. Donc, un sacré challenge pour les enseignants d'enseigner cette question-là au primaire et au secondaire. Et du coup, mon interrogation que je partage avec d'autres chercheurs sur ce sujet-là, c'est de se demander finalement si une orientation vers des enjeux civiques et mémoriels de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage ne risque pas d'affaiblir finalement la complexité historique de ce sujet-là. Et je proposais de réfléchir à cette problématique à travers un exemple d'une étude de cas que j'ai menée l'année dernière avec deux classes qui participaient au concours, à la 7e édition de ce concours. Et notamment, j'ai suivi une classe de 4e d'un collège classé REP+, dans la ville de Toulouse, menée par une enseignante d'histoire-géographie sensibilisée à ce sujet-là. Et qui a fait le choix d'aller au-delà justement des prescriptions des programmes scolaires. Donc en quatrième, on prescrit plutôt un enseignement focalisé sur une histoire économique de l'esclavage. Et elle a choisi en fait de parler de l'histoire sociale, notamment en parlant de la place et du rôle des Africains dans la traite, mais aussi, on en parlait hier, des résistances des esclavisés. Et elle a aussi choisi de circonscrire sa séquence d'histoire sur l'esclavage en introduisant sa séquence avec une vidéo de manifestants qui à Paris, c'était il y a quelques années, ont déposé un voile noir sur la statue du maréchal Gallieni à Paris. Donc l'idée, c'était de faire réfléchir les élèves à la construction d'un discours historique. Donc elle a introduit sa séquence comme ça, et elle a conclu sa séquence par un débat mouvant sur les mémoires de l'esclavage,
où en fait elle a demandé aux élèves de prendre position sur un certain nombre de sujets, notamment la question des déboulonnages, la question des réparations aussi, et plus largement de la place de cette histoire dans l'histoire du monde. Et ce qui est intéressant, donc pendant cette étude de cas, j'ai aussi soumis trois questionnaires aux élèves tout au long du projet. Donc un premier au début du projet, un à mi-parcours et un à la fin du projet. Et l'idée, c'était de voir à la fois l'évolution des référents sur cette histoire-là que mobilisaient les élèves, et aussi de voir, notamment avec le dernier questionnaire, qu'est-ce qu'ils en retenaient finalement et quels étaient les enjeux pour eux de cette histoire-là et de son enseignement. Et en fait, je me suis rendu compte que leurs réponses et leurs récits étaient empreints d'un enjeu historique très fort. Pour eux, c'était... C'est même de l'ordre de la nécessité de connaître cette histoire-là, qu'ils considèrent comme... importante dans le contexte de l'histoire du monde. Et finalement, peu d'entre eux mettaient l'accent sur un enjeu mémoriel qui avait pourtant été abordé en classe. Et certains d'entre eux, quand même, notaient aussi l'importance de l'enjeu civique de cet enseignement, avec la notion d'égalité de tous et toutes, mais aussi la notion de prévention de la reproduction de ces faits dans nos sociétés aujourd'hui. Un point d'ailleurs que l'enseignante n'avait pas forcément tellement mis en avant. Voilà. Donc du coup, je proposais cette réflexion et je suis curieuse aussi de savoir... parce que là, on est deux intervenantes à parler du contexte français. Je trouve ça un peu dommage, vu qu'on est ici sur le continent africain. Moi, j'aimerais aussi savoir quelles sont les expériences d'enseignement dans d'autres territoires, notamment sur le continent africain. De savoir aussi si des dispositifs ou des actions pédagogiques similaires à ce concours scolaire existent. Je sais que Ibrahima Seck a contribué justement dans l'ouvrage que vous citiez du CIRESC sur l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, et il décrivait que, donc c'était dans les années 2010, donc je ne sais pas si ça a évolué aujourd'hui, mais que dans les programmes scolaires au Sénégal, en classe de 4e, je crois, la dernière séance était consacrée à une visite de l'île de Gorée et à la réalisation d'un projet de classe. Donc je serais intéressée d'en savoir plus. Et voilà, plus largement, comment cette histoire est enseignée dans d'autres pays. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour ce complément et pour cette contribution. Je vais passer la parole tout de suite à Marie-Albane de Surhomme, qui est en ligne. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à toutes et tous. Vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je voudrais remercier tout d'abord donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, l'Agence universitaire de la francophonie et puis l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour leur invitation. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé être là en présentiel, mais je vous salue très chaleureusement depuis la Maison de l'Afrique à Nantes. Alors, je suis un petit peu en contexte quand même. Je suis très heureuse de retrouver aussi des personnes qui avaient participé donc à l'ouvrage que vous avez mentionné hein, sur l'enseignement des traites et l'esclavage, donc le professeur Seck qui vient d'être mentionné, puis également Jean-Louis Donadieu, qui avait également activement participé à cet ouvrage. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour justement reprendre des discussions sur ces prescriptions et ces pratiques d'enseignement sur traite et esclavage, des choses qu'on avait enclenchées, démarrées avec le CIRESC, effectivement, et puis dans le cadre du projet EURESC. Et puis là, on arrive à... côté français, les 20 ans de la loi Taubira, donc c'est un peu aussi une nouvelle étape et c'est important de renouveler ces discussions. Je remercie très vivement le professeur Fonkoua pour sa synthèse très efficace sur l'efficacité de l'école dans la transmission. Merci d'avoir bien restitué l'essentiel de la communication. Du coup, comme l'a fait Madame Vergne, je crois qu'il faut souligner
l'inventivité, la créativité des enseignants qui arrivent à se faufiler dans des prescriptions de programmes quelquefois un peu serrées, un peu étroites, et effectivement dans le cas français un peu centrées sur des approches très très économiques, des flux, des circulations de marchandises, de biens et puis d'esclaves, et des enseignants qui apportent vraiment un regard peut-être plus social et culturel sur ces questions-là et qui posent les grands enjeux autour de ces questions et on des approches un peu plus larges. La communication évoquée, donc les prescriptions des programmes et puis des pratiques enseignantes. Des pratiques enseignantes, je dirais, un petit peu d'avant-garde. C'était des entretiens que j'avais faits dans une première étape d'une enquête plus large. Donc, j'avais ciblé des enseignants qui avaient une certaine expérience quand même dans l'enseignement et la formation pour voir jusqu'où ils allaient dans un cadre académique qui est assez loin des ports de l'Atlantique puisqu'il s'agissait de l'Académie de Créteil. Et puis, c'est une enquête qui se poursuit, mais à une échelle plus large avec des enseignants peut-être moins expérimentés, mais ça donnait déjà des pistes fort intéressantes et merci de les avoir bien en avoir rendu compte. Alors ce que je voudrais souligner, justement en contrepoint de tous les aspects optimistes qui ont été soulignés, je vais apporter des aspects aussi un petit peu plus en demi-teinte pour compléter. Ce sont des enseignants qui globalement n'ont pas eu de formation sur l'histoire des traites et de l'esclavage. Et en fait, ils se forment un peu tout seuls. Alors il y a un petit peu de formation continue, il y en a effectivement, et puis ils se forment avec les outils qu'ils trouvent. Et je crois que c'est une incitation à continuer de produire des outils accessibles à un large public. Je crois que c'est vraiment essentiel. Il y a les travaux des chercheurs, mais il faut penser à rendre ces travaux accessibles, faciliter leur diffusion. Je dirais que le point est particulièrement important actuellement en liaison avec le programme de seconde générale. Les secondes générales en France abordent un point très important de l'histoire de la traite et de l'esclavage, ce moment pivot du 15e et du 16e siècle où les Portugais, après être descendus le long des côtes de l'Afrique, développent des forts, implante des forts et développe une traite négrière qui va basculer à travers l'Atlantique vers le Brésil et installer, donc transférer ce modèle de la plantation qu'ils ont expérimenté dans les îles de Saint-Thomé, le transplanter au Brésil. Alors les enseignants ne sont pas du tout formés sur ces questions-là, on comprend aisément. Ils utilisent beaucoup le documentaire sur les routes de l'esclavage, documentaire remarquable et qui est donc diffusé par Arte, produit par Arte, et auquel on participé beaucoup de scientifiques et dont un certain nombre ici présents. Et donc, ils utilisent ce documentaire pour bon nombre d'entre eux, mais il y aurait besoin de publications accessibles à large public sur cette thématique-là. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête aussi, pour dire quelques éléments positifs, je reviendrai à quelques nuances, c'est effectivement leur capacité à mobiliser les ressources des archives dans l'Académie de Créteil pour aborder la traite et l'esclavage. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert pendant mes entretiens. Je n'imaginais pas qu'ils mobilisaient les archives à ce point. Et des enseignants, effectivement, ont établi en fait des sortes de jumelages entre les archives dans l'Académie de Créteil, archives départementales et surtout communales, avec des archives en Guadeloupe, ce qui a permis de faire des comparaisons, des confrontations sur la situation des personnes et de voir effectivement que les esclaves n'ont pas du tout le même statut que les citoyens français au début du 19e siècle. Donc des façons très très éclairantes d'aborder cette histoire par le jeu de la comparaison, et c'est une façon, je crois, très efficace pédagogiquement pour faire que les élèves s'approprient un certain nombre de notions et comprennent ce que signifie l'esclavage et ce déni des droits que constitue l'esclavage. Autre élément très intéressant à l'issue de ces entretiens, c'est la manière dont les enseignants mobilisent le patrimoine de l'espace public, le patrimoine local. Et ils organisent maintenant des visites, alors non seulement au Panthéon ou à Schœlcher, hein, mais justement, ils ne basculent pas forcément dans une vision schœlcheriste de l'abolition de l'esclavage, mais en emmenant aussi les élèves visiter donc des rues nommées avec des
non en lien avec la traite ou l'esclavage. Et puis également, il les emmène voir des monuments comme à Drancy, où a été construit donc un mémorial de l'esclavage et des victimes de l'esclavage par des artistes. Donc il y a, je crois, une nouvelle mémoire de l'esclavage qui est en train de s'implanter dans l'espace public, dans des lieux où on l'aurait peut-être pas attendu. Donc ça, j'ai trouvé que c'est des pistes très, très intéressantes. Alors il y a des angles morts ou des angles pas tellement travaillés. Dans le questionnement avec les enseignants, je les avais interrogés sur le lien entre l'héritage des traites de l'esclavage et leur héritage et les liens avec le racisme contemporain. Et là, les choses sont encore assez floues, c'est-à-dire que la racialisation des rapports sociaux qui se produit dans le contexte de la traite et de l'esclavage n'est pas forcément vue comme une matrice du racisme contemporain. Là, il y a encore des fils à tirer, des choses à creuser en histoire et puis en EMC. Là, ça n'est pas forcément clair pour tout le monde. On peut s'intéresser à la traite et l'esclavage et pas forcément faire les liens complets avec les questions du racisme contemporain. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai, la connaissance de l'Afrique est très faible. C'est-à-dire que les enseignants qui ne se limitent pas aux prescriptions un peu économiques du programme et qui font une approche sociale, anthropologique de l'esclavage, en fait, se focalisent sur la situation des colonies et des plantations dans les colonies. Et finalement, la connaissance et les représentations de l'Afrique restent extrêmement limitées et encore très, très stéréotypé. Donc là, il y a vraiment du travail à faire sur la diffusion de la recherche et des connaissances sur l'Afrique et sur l'articulation entre traite, esclavage et l'Afrique, et pour éviter justement l'essentialisation de l'Afrique et des Africains. On en parlait hier. Je crois que c'est important effectivement de réhistoriciser tous ces éléments pour ne pas tomber justement dans un redoublement des stéréotypes, des processus d'essentialisation pour créer la catégorie esclave et justement restituer tout cela dans son historicité. Donc voilà, je suis du coup vraiment très heureuse d'être à ce colloque, d'entendre que la recherche sur traite esclavage en Afrique avance et qu'elle est foisonnante et bouillonnante, et on a besoin de la connaître, cette recherche, et de la faire connaître, de la diffuser. Et puis je serais très heureuse d'avoir des échanges sur la pratique de la traite la pratique de l'enseignement de la traite et de l'esclavage en contexte africain pour bien continuer des discussions amorcées il y a quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution et pour ce complément. Je vais passer la parole et on va rester en ligne à Jean-Louis Donadieu, dont le propos se situe à mi-chemin entre quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement scolaire et quelque chose qui est de l'ordre de la muséographie. Alors, donc Jean-Louis Donadieu, vous avez la parole. Si oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le niveau sonore est bon ? Très, très bien. D'accord, bon, parfait. Donc, très bien. Première chose, j'aimerais bien remercier l'ensemble des organisateurs qui ont permis donc ma participation à ce colloque, et je suis en train donc d'être parmi vous, même en distance, mais au moins les idées peuvent être partagées, et ça c'est quand même quelque chose de formidable. Et puis un petit bonjour particulier à Marie-Alban, et puis à M. Urmain et à Agnès Bern, hein, que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer puisqu'elle est venue au lycée Ozène où j'enseigne à Toulouse. Alors oui, effectivement, moi je présentais une contribution qui était une sorte de retour d'expérience à la fois d'enseignant, de chercheur et d'acteur de terrain. Alors, concernant l'enseignement, je peux rajouter deux ou trois petites choses tout de même. Avec la réforme des lycées, nous sommes passés en histoire-géographie de 4 heures hebdomadaires par classe, hein, en seconde, première ou terminale, à 3 heures, ce qui veut dire que notre quota horaire a été amputé du quart, et avec des programmes qui sont toujours aussi lourds, ce qui veut dire qu'on est obligé de faire du sprint. Hein, des marathoniens ont été transformés en sprinteurs. Et c'est pas toujours évident, quand vous avez un programme si lourd, de pouvoir faire repasser des éléments concernant la traite négrière et l'esclavage. Donc le système D est évidemment de mise. Alors on peut avoir des astuces du style utiliser l'enseignement moral et civique, le MC, en particulier en classe de seconde, puisque le thème général est celui de la liberté. Et ça, c'est quelque chose que j'exploite, hein, personnellement avec ma classe de seconde. Je peux aussi signaler une expérience qui a eu lieu à Paris, enfin en région parisienne, au lycée professionnel Le Corbusier, à Cormeilles en Paris 6, auquel j'ai participé
de partir des dossiers professionnels font des choses intéressantes. C'était en l'occurrence pour une classe de seconde, un web radio de quelques minutes sur le personnage de Toussaint Louverture. Et ensuite, moi, j'étais intervenu à échange avec la classe. Mais la dimension intéressante, c'était de voir que cet échange avec cette classe était filmé et d'autres classes, d'autres lycées professionnels pouvaient se greffer et également poser des questions et intervenir à ce sujet. Voilà, donc on est encore quelque part dans le domaine de l'expérimentation, de l'empirisme, mais effectivement, je rejoins tout à fait Madame de Surmain dans sa remarque sur l'inventivité, l'imagination de certains enseignants qui vraiment se décarcassent, pour employer un terme un peu familier, pour faire passer un certain nombre de choses. Sinon, alors, concernant l'expérience de terrain, alors effectivement, moi, Le son est perdu. Jules de Noé et Toussaint Louverture. De Noé était né, il avait il a suivi une carrière d'officier dans l'armée française. Et puis, localement, le lien qu'il pouvait y avoir avec Saint-Domingue avait été alors complètement oublié. Et puis, il n'y a strictement rien d'évident dans un pays où vous avez des maïs du tournesol ou du colzin ou des élevages de canards, de voir le lien avec les enfants. Bon, j'ai rappelé cette affaire-là, enfin, j'ai impulsé un mouvement qui, en 2003, a permis une grande commémoration autour de cette affaire. Et puis, depuis, le fait que vous avez chaque année, au moment de la cérémonie du 10 mai, le préfet ou son représentant qui vient pour une cérémonie officielle, ça fait une sorte de piqûre de rappel et c'est quelque chose qui a permis par la suite, hein, au-delà de mon affaire du comte de Noé, que soit des privés, soit des collègues de l'enseignement public me sollicitent ou alors me signalent des documents qui traînaient par-ci, par-là et qui ont finalement conduit à écrire en gros une dizaine d'articles complètement différents sur les liens entre la Gascogne et les Antilles. Et donc, ce sont des matériaux qui peuvent être utilisés évidemment pour l'enseignement, parce que quand vous parlez de ces questions-là à des élèves, l'une des premières questions qu'ils peuvent vous poser, c'est en quoi on peut être concerné, en quoi c'est pour eux, c'est quelque chose qui est quand même assez lointain. Si vous dites ça s'est passé près de chez nous, si vous dites que tel personnage à tel endroit, vous arrivez à ressusciter comme ça, voire rappeler un certain nombre de liens historiques, ça change complètement de la musique. On n'est plus dans la théorie, dans l'abstrait, on est dans quelque chose qui s'incarne, qui s'enracine, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup hein, dans le travail que je peux faire avec les élèves, essayer de trouver, de partir comme angle d'approche, de partir sur un angle de vraiment local. Alors, pour dire que les choses avancent aussi, c'est pas plus tard qu'il y a 3 jours, samedi dernier, oui, dans la bourgade d'Astafort, qui est au sud d'Agen et qui est en gros par rapport à la Gascogne, par rapport à l'île de Noé, c'est en gros une cinquantaine de kilomètres au nord, ont été inaugurées 2 plaques sur la maison qu'ont occupé Placide Louverture et sa fille. Parce que Placide Louverture, le fils adoptif de Saint Louverture, a fait souche à Astafort, s'est marié, a eu une descendance et des descendants existent toujours aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer localement. La ville d'Agen est en train de penser aussi à quelque chose autour du séjour de la famille Louverture qui avait été assignée à une résidence par l'ordre de Napoléon. Il y a quelque chose à faire et donc les esprits sont en train de travailler à ce sujet. On pourrait citer bien d'autres exemples. Hein. Le Berry avait un peu oublié que le général Bertrand, qui est un intime de Napoléon, avait eu en héritage des habitations sucreries en Martinique et il y avait toute une documentation qui dormait aux archives nationales d'outre-mer avec son Provence. J'ai pu avoir accès à ces archives et puis travailler un petit peu là-dessus. En Auvergne, l'amiral d'Estaing avait été gouverneur de Saint-Domingue. Il a dirigé une expédition pendant la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique essayer de créer une espèce de même bateau de diversion, mais dans cette expédition se sont illustrés les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, c'est-à-dire des Noirs et des mulâtres libres, qui combattaient pour
l'indépendance d'hommes blancs. Ce genre de choses est trop peu connu. Hein, on pourrait citer le marquis de Lafayette aussi, hein, qui avait une habitation en Guyane. Bon, ce sont des choses qui existent, mais qui ne sont pas assez connues, me semble-t-il. Alors, c'est vrai que il faut d'abord faire connaître, et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Alors, je ne voudrais pas abuser de mon temps, simplement, vous avez rappelé un certain nombre d'axes qui, pour moi, me semblent importants quand vous voulez faire transmettre cette histoire, surtout localement, sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de culpabilisation en particulier, ni de repentance, mais plutôt insister sur une histoire qu'on a en commun, qui doit être partagée. Hein, souvent, elle a été occultée, mais par ignorance, hein, tout simplement. Et bon, elle est en train d'être retrouvée. Essayons donc de la partager, surtout essayons de nous interroger en particulier sur la dignité des personnes qui avaient été réduites en esclavage. Comment ont-elles pu résister? Comment ont-elles pu triompher de leur douleur? Voilà, hein, le genre de choses qui, me semble-t-il, sont importantes à souligner à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour cette contribution. Et pour ce complément, donc je vais passer la parole tout de suite à Lucie Mboni qui va faire ce complément, elle aussi, chez le Gasfield. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole et aussi pour ce magnifique résumé, parce qu'il faut le signaler, il s'agit d'un travail en cours et qui a certainement beaucoup évolué après la soumission de cette version sur laquelle vous avez travaillé. Je commencerai mon propos par une toute petite anecdote qui est à l'origine de cette réflexion. Il s'agit en fait du contact avec l'un des chefs de la communauté Grassfield dans laquelle je travaille, et qui est considéré par la plupart de personnes et des détenteurs de savoirs locaux comme le doyen de ces chefs, des chefs traditionnels de la communauté de la région Grassfield. Il s'agit de Sa Majesté Sukuju Jean Rameau, chef de la communauté Bamidjou à l'ouest du Cameroun. Et cette anecdote, je suis sur le terrain, je vais faire le travail de recherche sur un certain nombre de projets, notamment le projet de la recherche de la provenance des objets spoliés par Max von Stitten, et présentement dans le musée Saint-Continent en Allemagne. Et ensuite, un autre projet sur les pratiques alternatives dans et au-delà du musée. Et ces travaux m'ont amené à aller sur le terrain et à rencontrer ce patriarche qui, au premier contact, quand je lui parle du musée, je lui pose en fait les questions sur son musée, et il me dit, voilà, c'est un musée où nous essayons de construire notre mémoire et de la rendre vivante. Je lui dis, mais Majesté, oui, mais là, quelles sont les thématiques que vous présentez dans votre musée? Il me dit, il a cité un certain nombre de thématiques. Et après, je lui dis, Majesté, est-ce que vous avez quelque chose en rapport avec l'esclavage et la traite? Il me dit, ma fille, mais quel esclavage? Ah, mais je lui dis, mais Majesté, il y a quand même eu des... Il me dit, mais là... Vous êtes en train de me parler de quoi? De l'esclavage ou de la traite négrière? Parce que, en ce qui me concerne, l'esclavage, c'est quelque chose, ce que vous appelez, il me dit, ce que vous appelez esclavage coutumier ou traditionnel, je ne me reconnais pas là-dedans. Il y a eu des étapes ou des pratiques de servitude, de serviteurs qui n'étaient pas déshumanisantes, qui rentraient dans la dynamique sociale. Mais si vous parlez d'esclavage que les Blancs nous ont apporté ou alors qui a participé à la déportation de nos ancêtres, de mes ancêtres, ça je le cite, la déportation de mes ancêtres, oui, il y en a eu. Mais là, vraiment, ma fille, ça c'est son dernier propos, chaque fois que je me rappelle, ça me remonte un peu, il me dit, ma fille,
je suis fatiguée. Nous avons besoin de faire notre deuil. Ça, c'est son propos et c'est ça qui a créé en moi un déclic. Je lui dis, mais Majesté, de quel deuil vous parlez? Il me dit, vous allez me dire, l'État, je suis mobile, je visite, je suis carrément l'un des doyens de Grassfield, je visite mes collègues, j'ai eu le privilège d'être invité par mes compatriotes à l'extérieur, dont je visite également ce qui se passe ailleurs. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de récupération de ce qui est en train de se passer. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de fixation sur quelque chose qui finalement embrouille tout le monde. Et vraiment, nous sommes fatigués, nous avons besoin de faire notre deuil parce qu'il s'agit d'un traumatisme que mes ancêtres ont vécu, ça je le cite, ont vécu. Et là, nous avons besoin de tourner la page et ensuite de passer à autre chose. Et c'est là, c'est cette anecdote qui m'a amené à me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas finalement nécessaire de faire j'appelle un narratif inversé, c'est-à-dire donner la parole à ces communautés-là qui finalement ne sont pas peut-être très d'accord ou ne sont pas très favorables au discours des autorités ou de l'administration ou alors et parfois de certains chefs même qui biaisent carrément l'idée même de ces musées communautaires. Ça, c'est pour répondre rapidement à la clarification qui était nécessaire pour dire que parlant du musée, des musées communautaires et des musées étatiques ou du musée national, il y a une certaine confusion qui s'installe et finalement on se rend compte qu'il y a un jeu de pouvoir qui finalement fatigue un peu les communautés pour lesquelles ces discours sont construits. Et finalement, ça a été également une réalité auprès du chef Bamindina, le musée est l'un des musées, tels que le président l'a si bien mentionné, l'un des musées d'esclavage au Cameroun, l'un des plus importants musées d'esclavage dans cette région-là et par extension au Cameroun, et qui a également exprimé ce besoin de rémémoration et de reconnexion à une mémoire qui a été violemment interrompue. Et finalement, d'essayer plus de laisser, ça sont les propos de ce chef Bamindina, Sa Majesté Tanefo Jean-Marie, qui dit, vraiment, on a beau trouver des victimes, on a trouvé des coupables, certains nous disent, oui, vous, les chefs, c'est vous qui avez vendu vos frères, et finalement, vous venez réclamer quoi, vous voulez quoi, et vous êtes un peu contradictoire. Lui, il dit, bon, là, on a tout compris. C'est bien, vraiment, il est temps qu'on passe à autre chose. Et là, il est temps que les communautés se réapproprient ce passé-là, se fassent violence ou alors fassent le deuil et ensuite essayent de construire un avenir. Et c'est ça le rôle fondamental de ces musées, en fait, de cette section dans certains musées et du musée de Bamindina qui est fondamental, dont la thématique principale porte sur l'esclavage. Essayer de se reconnecter à ce passé, de penser les blessures de ce traumatisme et de penser, cette fois-là, réfléchir par rapport à l'avenir commun. Merci. Peut-être pour ce complément qui fait écho à l'analyse tout à l'heure sur le Caire, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Je ne pense pas que ce soit exactement le même, mais ça fait quand même écho. Alors, je veux passer à la troisième proposition que j'ai faite tout à l'heure sur ce que j'appelais les approches sociologiques. Et je veux commencer par Jerry. 5 minutes, s'il te plaît, pour parler d'Haïti. Bon, merci, monsieur le président du jury, pour m'avoir donné la parole. Pas le jury. Ah! Quelle gaffe, hein, de la séance, hein. Oui, oui, et surtout, et merci aux organisateurs du colloque, et particulièrement Estelle
et Jean-Paul de Goudna et Ahmed pour leur dynamisme dans la prise en charge et l'organisation de l'événement. Je voulais faire un petit texte qui résume en gros les débats qu'il y a eu depuis hier sur toutes les questions abordées et particulièrement la place d'Haïti dans tout ça. Mais tout à l'heure, mon ordinateur vient d'être cassé là, donc du coup, je n'ai plus accès au texte. Donc c'est tombé tout à l'heure et c'est cassé. Ça me peine un petit peu, mais bon, ça va. Donc de ce fait, je vais rester au moins dans la communication et surtout essayer de parler d'Haïti par rapport à la communication que j'ai faite. Dans la communication, je voulais aborder la question du lien et des antagonistes qui relient la mémoire de l'esclavage et l'histoire de la traite transatlantique et de la colonisation générale, et en Haïti en particulier. Et pourquoi? C'est parce que Haïti, en tant que première république libre et indépendante du monde à la suite d'une révolte d'esclaves, n'est pas séparable de l'histoire politique, économique et sociale de l'esclavage dans le monde. Pendant longtemps, et particulièrement le 18e siècle, la colonie de Saint-Domingue a même constitué la structure économique matricielle des anciennes colonies esclavagistes en Amérique, particulièrement dans la Caraïbe. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Haïti était Saint-Domingue, disons, actuel Haïti, était la colonie la plus peuplée, la plus prospère et la plus riche des anciennes colonies des Amériques, parce que Haïti produisait à l'époque les deux tiers du sucre mondial. Et ce sucre-là et d'autres matières premières qui se produisaient dans la colonie étaient produites dans les anciennes habitations coloniales que moi-même j'ai enquêté dans le cadre de mes recherches. Donc, j'ai mené une enquête ethnographique et visuelle aussi dans une dizaine d'habitations coloniales dans lesquelles j'ai rencontré une cinquantaine de personnes, d'acteurs que j'appelle des acteurs ordinaires et institutionnels, ou encore des usagers de ces espaces-là. C'est fondamentalement des gens qui ont visité au moins une fois une ancienne habitation coloniale. Et que sont devenues ces habitations coloniales aujourd'hui? En majorité, ils sont des espaces délaissés, abandonnés, désertés, en friche, etc. Il y a certains qui connaissent un processus de patrimonialisation, disons, particulièrement le musée Auger-Fambouin que vous pouvez voir sur Internet, et le parc historique de la canne à sucre qui est transformé en musée. Et au profit de qui? Mais dommage, ce sont des propriétés privées, mais des initiatives louables que l'on peut mettre à l'action du secteur privé. Donc c'est fondamentalement, c'est eux qui conservent un petit pan et quelques éléments de notre patrimoine culturel immatériel et qui permet à des gens, si quelqu'un vient en Haïti, de voir comment fonctionnait une ancienne habitation coloniale et pouvoir au moins les traces de la colonisation en Haïti. Et cette enquête, dans le cadre de cette enquête, ma préoccupation a été de voir comment les cadres sociaux, ce que j'appelle les cadres sociaux de la mémoire, pour répéter et Maurice Alvax, mettent-ils en mots, en images et en récits les discours historiques et les héritages culturels diversels pour parler comme glissant d'Haïti. Et il s'agissait pour moi non seulement de présenter l'ensemble des rapports que les Haïtiens et les Haïtiennes entretiennent à leur passé. Quand je dis passé, je ne vois pas seulement le passé colonial, mais le passé amérindien aussi, parce qu'avant la colonisation, Haïti était peuplé par les Amérindiens, et cette histoire aussi, c'est une histoire qui est silencieuse, tout comme la période coloniale dans l'histoire d'Haïti. Ou encore, je voulais regarder aussi la question des impacts des héritages de l'esclavage sur les logiques de pouvoir. Et j'ai voulu aussi apporter des éléments nouveaux sur la construction d'une mémoire collective à partir des usages et des enjeux des traces mémorielles du système colonial. Et une des hypothèses que j'ai construites, c'est que l'évocation des souvenirs de l'esclavage implique de prendre en compte en Haïti le contexte profondément marqué par des rapports sociaux inégalitaires hérités de la période coloniale. Et ces inégalités sont au centre de la façon dont les groupes sociaux produisent et se racontent leur histoire et leur inscription dans le temps et dans l'espace, à travers les différentes formes d'expression mémorielle qu'ils inventent et à partir desquelles ils s'inventent. Et ainsi, mon analyse s'interroge tout au long sur le rapport complexe et écartelé que les Haïtiens vivent désormais entre les souverainetés d'histoire et de mémoire à préserver et une société inégalitaire à transformer, particulièrement entre ce qui demeure et ce qui advient. Du coup, le rôle des constructions mémorielles revisitées dans les sites historiques que j'ai enquêtés constitue un apport décisif parce que ces mémoires construites sont plus proches du vécu des usagers. Donc, une mémoire construite par le bas et par le haut aussi, au profit des visiteurs, des habitants, tout comme aussi par les acteurs politiques qui eux-mêmes réfléchissent sur ces lieux. Du coup, les discours, récits et représentations de l'expérience
parce qu'on a, on a tendance à dire en Haïti, on parle de, d'expériences plantationnaires pour expliquer les expériences qui ont été vécues dans les plantations coloniales, joue encore de ce point de vue un rôle décisif dans l'évolution des conflits mémoriels, politiques, sociaux et culturels ou identitaires en Haïti. La traite négrière et l'esclavage colonial forment en Haïti une zone si douloureuse et si chargée de souffrances que l'on ose à peine s'en approcher et que le silencement, pour répéter le grand anthropologue haïtien Michel Rouff-Trouillot, le silencement relatif qu'adopte la société haïtienne à l'égard de la mémoire de l'esclavage se comprend. Dans cette société post-esclavagiste, le recours au passé colonial n'est pas sans effet sur le présent. En Haïti, la mémoire de l'esclavage est la mesure de l'espace social, mais aussi un élément de cohésion, de contradiction, de reconnaissance et de contradiction. Peut-on dire que c'est parce que l'histoire n'est pas encore véritablement écrite que le passé n'est pas passé? Dans ce contexte, la mémoire de l'esclavage reste confinée dans l'oubli ou encore le silencement organisé dans lequel elle est tenue jusqu'alors par l'historiographie officielle. Comment expliquer ce déni du passé colonial dans la société haïtienne? Premièrement, je peux évoquer ce facteur majeur, c'est-à-dire le fait que les mouvements d'insurrection contre l'esclavage et l'indépendance, retenus comme des actes fondateurs de la nation haïtienne, soient des épopées libératrices, synonymes d'élimination de la colonisation, alors que dans la majorité des pays des anciennes colonies, l'accession à la souveraineté nationale ne s'est pas accompagnée de l'abolition de la servitude. Deuxièmement, l'éradication de l'institution servile en Haïti s'est effectuée dans un processus de rupture historique riche en révoltes symboliques décisives. Du coup, pour citer Gérard Barthelmy, la compréhension de la source haïtienne avec le passé colonial relève en ce sens de l'interprétation de la révolution haïtienne dans sa finalité simple et brutale, à savoir la destruction de tout un système. Et c'est exactement avec ce refus viscéral, total et collectif du système antérieur que la nouvelle société rejette l'organisation sociale et l'économie basée sur l'esclavage colonial. Donc, la situation mémorielle en Haïti s'apparente à une forme de déni du passé colonial. L'esclavage et ses souvenirs sont refoulés. Au niveau national, la commémoration de la mémoire de l'esclavage est donc désorientée au profit d'une héroïsation de l'histoire. Elle demeure une commémoration en tension, un amalgame instable à signer à tenter de réarticuler un récit national dont des pages sont biffées, particulièrement la vie et la résistance des masses d'esclaves. À l'école, comme on a parlé de l'éducation tout à l'heure, la question de l'esclavage et des traites négrières reste un sujet de peu d'intérêt au regard de la partie congrue qui lui est consacrée dans les manuels et les programmes d'histoire d'un système scolaire hérité du concordat de 1960. Qu'est-ce que c'est le concordat de 1960? Le concordat de 1960, c'est un concordat qu'Haïti a signé avec l'Église catholique, particulièrement l'Église catholique romaine, pour donner la mainmise de l'éducation aux catholiques. Donc c'est l'Église catholique qui a organisé et planifié l'éducation haïtienne depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et particulièrement avec la France au centre de tout cela et avec l'imposition de la langue française comme langue d'enseignement et ce qui fait jusqu'à présent, c'est encore de mise en Haïti. Donc pour finir, parce que je vois dans ce texte, j'ai traité non pas des événements historiques pour eux-mêmes, mais de la construction dans le temps, de leur narration, de l'effacement et de la résurgence de leur signification. J'ai exploré certaines mises en concurrence et tensions entre mémoire officielle ou légitime et mémoire en quête de légitimation, entre mémoire historique savante et mémoire collective vécue. Le rapport des Haïtiens se présente autant par le haut que par le bas. Les expériences montrent que la réactivation du passé est toujours effectuée malgré les différentes formes d'instrumentalisation par le passé. D'ailleurs, le pays est traversé de part en part par des traces lourdes de l'esclavage. Les enjeux de mémoire sont donc des enjeux de légitimité. Les jeux de mémoire sont indissociables des stratégies de légitimation qui les sous-tendent. Les représentations du passé qui sont au cœur de ce papier représentent les tensions sociales liées aux héritages culturels diversels en Haïti. Ces interprétations de la mémoire de l'esclavage ont favorisé l'émergence de la culture héroïque ainsi que de l'essor d'une mémoire héroïque par l'ancestralité. La remémoration de la résistance à l'esclavage s'est rapidement transformée en célébration d'un passé héroïque dont la mise en scène mobilisait toute une symbolique historique sans résoudre les tensions d'aujourd'hui. Ce constat est d'autant plus manifeste en Haïti lorsque les conflits de mémoire relatifs ont lieu d'abord sur les anciennes plantations esclavagistes et opposent des catégories sociales différenciées sur la base de leur couleur de peau ou des héritages fonciers, particulièrement sur la question de la terre, qui représente un élément, un socle fondamental dans la compréhension de la formation sociale haïtienne. En ce sens, le passé colonial reste une matière sensible
en ce début du XXIe siècle en Haïti. S'il est sensible, c'est que l'histoire d'Haïti se confond largement avec l'histoire de l'esclavage colonial et de la traite transatlantique. Depuis la colonisation, comme dans la lutte pour l'indépendance et les débuts de la jeune nation jusqu'aux tentatives récentes de construction qui se fait en Haïti d'une société démocratique. Tant que l'on ne comprendra pas en Haïti, les jeux mémoriels ont une spécificité de contenu liée au passé colonial. La construction de la mémoire collective autour du passé ne pourra aboutir. La société haïtienne n'est pas un espace d'apaisement des usages du passé colonial. Le bilan d'immobilisation du passé colonial, comme celle des historiens ou des individus des groupes sociaux, porteurs des mémoires, reste à faire. L'angle d'observation de la tendance lourde au consensus, consécutive aux effets de la sortie du colonialisme, toujours présent par les multiples effets en Haïti, particulièrement dans les musées ou autres institutions culturelles, doivent être complétés par l'analyse de la multiplication des jeux du dissensus, pour représenter et pour citer Rancière, touchant le pays en train de construire dans le post-colonial. Haïti n'a pas développé la capacité d'apurer les contentieux mémoriels hérités de la colonisation. Merci. Merci pour ce complément sur Haïti. Et donc, je vais passer la parole à l'autre pour les activistes cette fois-ci. Moi aussi, merci. Est-ce que c'est bon comme ça? Je commence aussi par mes remerciements et de dire que je suis ravie de faire partie de ce groupe divers et stimulant les discussions. Merci aussi au président pour la façon de résumer les activistes sous l'égide d'institutions sociales, culturelles. Ah là là. C'est parce que je suis trop proche ou... Ah oui. Si je le mets là, ça va. D'accord. Ce que j'ai fait dans mon texte, qui n'est pas complètement abouti, j'étais peut-être un peu ambitieuse aussi, j'ai voulu faire le bilan de tout ce qu'on a vu en termes de résistance actuelle à présent, donc les dernières trois décennies, disons, à partir des années 90, sur le continent africain, contre des formes ou les héritages de l'esclavage, on peut dire, interne, des formes d'esclavage qu'on peut nommer, et je vais revenir sur la terminologie, l'esclavage par ascendance. Hier, ça a été évoqué plusieurs fois qu'il y a eu des multiples formes d'esclavage et une diversité énorme en ce qui concerne les hiérarchies au sein des groupes des esclaves ou esclavisés dans le passé. Et cette diversité se retrouve aujourd'hui aussi bien dans les formes de commémoration que dans les formes que prennent les mouvements dont j'ai fait tracer un peu le bilan. Donc impossible de vous présenter toute la gamme, je voulais souligner encore une fois que le besoin de la mémoire et le besoin de visibiliser, d'adresser des questions de discrimination, de stigmatisation et même des formes d'exploitation qui continuent aujourd'hui ne sont pas ressenties de la même manière. Il y a une forte culture de savoir-faire pour certaines, qui a aussi fait que le passé est passé à sa manière et revient de temps en temps, mais est vivable. Et c'est vrai que, Monsieur Lassibendi, il n'y a pas que moyen d'être optimiste sur ce que font les interventions des mouvements qui s'appellent anti-esclavagistes ou pro-égalitaires, ou peu importe comment ils se définissent, mais que leurs interventions, des fois, ne sont pas toujours positives. Je vais en revenir aussi, il y a des exemples. Mais des fois aussi polarisent des questions qui étaient restées sous silence, mais en même temps donnent des nouvelles ouvertures. Et je crois que ce qu'on entend aujourd'hui et pendant ces derniers jours, c'est qu'il y a toujours une multiplicité, une complexité des voix et des positionnalités. Et donc ces mouvements, ils interviennent dans ce champ complexe et ils choisissent d'affronter, de résister, de se battre contre ce qui est vu comme des formes de stigmatisation, d'exploitation qui sont injustes et des héritages de l'esclavage sur le continent africain.
Et tous ces mouvements continuent aussi de rappeler et mettre en évidence qu'il n'y a pas de trajectoire linéaire d'émancipation après l'abolition. On est tous d'accord, mais vu le silence et cette culture de savoir-taire, des fois, l'oubli peut prendre le dessus. Et je pense que ces mouvements mettent bien en évidence qu'il y a toujours des soucis énormes, ou en tout cas très complexes, qui méritent plus d'attention. Donc, j'essaie de revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Donc, concernant la terminologie et la catégorisation qui est utilisée aussi bien par les mouvements que je décris que par moi-même comme chercheuse, c'est toujours un champ très épineux, compliqué. Quand j'ai dit esclavage par ascendance, bon, ça vient peut-être plus de l'anglais et d'ailleurs du monde activiste un peu, de descent-based slavery, anti-slavery international, je pense, lancer ce concept. Mais j'aimerais bien préciser que ça veut dire qu'il y a des formes d'exploitation, d'appartenance, de dépendance qui sont toujours très réelles et ressenties et qui sont très proches des formes d'esclavage qui est passé à travers des générations par des discours qui, comme l'a bien évoqué M. Toup concernant le sang, on transmet le statut d'esclave à travers le sang, souvent de la mère, et donc on ne peut jamais y échapper et on reste dans des positions bien définies. Mais également dans toute cette catégorie se trouve aussi ce que Benedetta Rossi elle a évoqué hier et ce qu'elle décrit dans son livre Reconfiguring Slavery, l'esclavage catégorique. Donc ça veut dire que les gens sont assignés le statut de descendants d'esclaves, or qu'eux-mêmes, ils remettent en cause vraiment qu'ils ont été, ou leurs ancêtres ont été, à un moment donné dans l'histoire, mis en captivité. Souvent, ils mettent l'accent sur le fait qu'en fait, c'est des immigrés, c'est des étrangers qui sont arrivés quelque part et qui ont cherché protection. Et par ce biais, ont été insérés dans la catégorie des descendants d'esclaves. Mais au fur et à mesure, par le biais de l'endogamie et ce discours de pureté de sang, ont été assimilés au groupe de descendants d'esclaves. Donc c'est ces groupes-là qui sont... au sein des luttes de ces mouvements et qui ont aussi des stratégies très diverses de retourner le stigmate, de reprendre des autodésignations qu'on peut trouver qui racialisent. Par exemple, au Mali, il y a au sein du mouvement Témet, il y a ceux qui étaient soi-disant les descendants d'esclaves au milieu Touareg, qui se disent les Kel Tamashek, donc ceux qui parlent Tamashek noir. Donc c'est eux-mêmes qui s'assignent une catégorie raciale, or que d'autres ne le font pas du tout et essayent ils veulent carrément ne pas avoir des assignations statutaires et ils veulent s'en débarrasser. Donc tout ça, c'est des questions de citoyenneté qui sont au cœur de tout ça, des relations de pouvoir, et tout ça s'inscrit dans ce contexte de manque de consensus. Est-ce que l'esclavage par ascendance, encore une fois, dans toute sa diversité, des cas de figure, des gens qui sont discriminés, mais aussi des gens qui ne vivent pas ça mal, est-ce que c'est quelque chose de... qui doit être aboli, dont on doit se débarrasser, ou est-ce que c'est des traditions et des choses dans lesquelles il y a des valeurs de droit et de protection et de responsabilité aussi. Donc, après, il y a les contextes juridiques qui sont très pluralistes. Benedetta l'a évoqué hier aussi. On a souvent une superposition du droit coutumier, du droit... Bon, religieux, que ce soit dans l'islam ou même catholique, et après le droit national, voire international, qui souvent ne s'entendent pas sur les questions très clés au sein des familles, au sein des questions de l'héritage, au sein des questions sur la propriété des terres, etc. Donc on voit aussi que beaucoup de mouvements misent beaucoup l'accent sur
des façons d'aborder les inégalités à travers le droit, même si c'est très compliqué et il y a, j'allais dire, peu de réussite. Je reste un peu sur un plan très généraliste, c'est le désavantage de faire ce bilan pour tout le continent, c'est un peu, c'est trop. Et je voulais par ailleurs aussi souligner que justement, j'ai fait ça pour montrer qu'il y a des formes de mobilisation et de résistance aussi aujourd'hui, mais je suis aussi convaincue que la seule bonne façon d'aborder ce que font ces mouvements, ce qui se passe dans ces mouvements et quels discours et idéologies ils mobilisent, nécessite vraiment une connaissance très fine des contextes locaux, des langues locales. Actuellement, je travaille sur un mouvement soninkophone. Et je ne parle pas du tout le soninké, j'ai appris le peul, mais ça ne m'aide pas à grand-chose. Et ça me désole énormément, et je vois qu'en fait, ce n'est pas possible de capter dans la finesse tous les discours autour de ce mouvement, dans les médias, sur les médias sociaux, par le mouvement lui-même, dans la réception internationale. Ça ne se passe pas du tout en français, en tout cas, la réception internationale, bien sûr. Et donc, j'invite et j'incite ceux qui sont là à étudier ce genre de mouvement, parce que je crois que ce qu'ils font, c'est de mettre le débat autour de la mémoire de l'esclavage interne au continent, plus dans l'espace public, plus que d'autres formes, pour de bien et pour de mal, encore une fois. On voit qu'il y a des situations où les mouvements sont très virulents et ont eu beaucoup d'impact sur le plan national ou dans les discussions. Et du coup, les gens deviennent, les débats deviennent très polarisés. Soit on adhère au mouvement, soit on ne le fait pas. Et si on n'adhère pas, et on est du camp opposé, et du coup, on peut plus parler, même au sein des familles, des gens catégorisés comme descendants d'esclaves, on voit qu'il y a vraiment des clivages énormes qui ont fait peut-être plus de mal que de bien, en tout cas. C'est pas toujours qu'un impact réconciliation ou de mise, de valorisation d'une histoire qui guérit. Donc ça part un peu dans tous les sens, pour le dire ainsi. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci. Ce complément. Alors, donc, merci à tous. Donc, je ne vais pas faire une synthèse de la synthèse de la synthèse, hein, sinon on y sera encore demain. Je vais passer la parole tout de suite à la salle pour les questions. Alors, d'accord, il est midi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais prendre les noms tout de suite, comme ça, ça sera fait. On fera un seul tour tant qu'il y a. Pardon, je prends les noms tout de suite. Ah oui, pardon. Oui. Ah, quelqu'un qui a levé la main? Qui a levé la main? Parce que je ne vois pas. Alors, donc. C'est François Lesby en ligne. Ben, je vais sans doute commencer par lui parce que ça va être sans doute plus simple pour tout le monde. François Lesby, vous avez la parole si vous nous écoutez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Et, bonjour à tous. En raison du nombre de ceux qui veulent poser des questions, je vous demanderai de poser des questions et ne pas faire de commentaires, sinon on n'aura pas le temps, en fait. S'il vous plaît. Tout à fait. Deux questions très rapidement. Bonjour à tous. Merci à monsieur Donadieu, si je ne me trompe pas, et à monsieur Michel aussi pour leur intervention. Donc mes questions se portent sur Haïti. La toute première, c'est quelle est la contribution, s'il y en a, d'Haïti dans la lutte anti-coloniale en Amérique latine, et est-ce qu'il y a des répercussions en Afrique? Et l'autre question, c'est sur le devenir de la famille de Toussaint Louverture en France. Donc, pour être bref. Ah. Commencez ça alors, par celui qui est en ligne. Oui. Alors, concernant votre première question, là, je ne suis pas du tout le mieux à même de vous répondre. Alors, concernant, en revanche, la famille Louverture en France, bon, ce sont des descendants de Suzanne Louverture. Et donc...
là on en est sûr, de Placide étant donc son fils probablement adoptif de Toussaint, qu'il a considéré comme son fils au même titre que Isaac et Saint Jean. Bon, ben, ce sont des, il y a quatre descendantes qui étaient présentes à cette cérémonie il y a trois jours. Alors honnêtement, comme je n'ai pas assisté à la cérémonie, je ne peux pas vous en dire plus. Toujours est-il que il y a une espèce de mayonnaise qui a pris et il y aura probablement des actions dans le futur. Le plus simple, si vous allez consulter les sites en ligne de la Dépêche du Midi ou de Sud-Ouest, vous trouverez déjà des premiers articles de presse qui parlent de la question. Et le reste, c'est à suivre. Ça va être à suivre dans les semaines, plutôt années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur l'histoire d'Haïti et son impact sur les luttes anticoloniales. Ah oui, je pense que Haïti a grandement contribué à la lutte anticoloniale en Amérique latine et dans la Caraïbe particulièrement. Si je prends le cas particulièrement du Venezuela, qui avec Simon Bolivar et Pétion, donc c'est pour ça que jusqu'à preuve du contraire, Haïti continue à avoir de très bons rapports avec le Venezuela. C'est sur la base historique de l'apport des Haïtiens à Venezuela. Haïti a contribué aussi aux luttes anticoloniales aux États-Unis, particulièrement à la Louisiane et à Cuba. Si je prends l'exemple de ce qu'on peut appeler dans la Caraïbe ou en Amérique et la route du marronnage, donc je pense que d'abord il faut prendre en compte Haïti, Cuba, où il y avait beaucoup de sociétés marron, beaucoup de communautés marron. Donc même après l'indépendance, les Haïtiens ont envoyé des matériels, des soldats ou autres en aide aux anciennes, à d'autres colonies dans la région pour pouvoir les aider à s'émanciper de l'esclavage. Donc Haïti représente un vivrier, un état incontournable dans la lutte pour l'indépendance. Même après, même pour aider d'autres pays, par exemple, si je prends le cas de l'Israël, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Haïti a été l'un des premiers pays à s'ouvrir pour recevoir les Juifs qui fuyaient la guerre en Europe. Il y a un cas particulier aussi en Haïti qui mérite d'être souligné, c'est le cas des Polonais en Haïti. Après l'indépendance, et les Polonais ont continué à habiter Haïti et malgré qu'ils étaient blancs, comme on dit d'habitude, ils bénéficiaient du statut de noir et ils étaient fiers de bénéficier de ce statut-là. Et même après l'indépendance, il y avait d'autres qui ont été en Europe qui sont venus en Haïti parce que apparemment c'était mieux pour eux en Haïti que chez eux. Donc c'est la Libye aussi, Haïti a contribué à la reconnaissance de la Libye en tant qu'État et même dans l'ONU, même s'il y a des pages assez sombres aussi où Haïti, une fois a voté à l'OEA pour l'exclusion de Cuba. Donc c'est une page sombre de notre histoire que certains Haïtiens regrettent aussi. Donc ça veut dire qu'Haïti a grandement contribué, même à des pays africains aussi, on a beaucoup aidé. Et ça explique que certains pays comme le Sénégal n'imposent pas un visa aux Haïtiens, tout comme Haïti n'impose pas de visa à ces pays-là. Donc voilà. Sur l'appel historique, donc je vais commencer par la gauche, ensuite on passera par la droite. Moi j'ai surtout des commentaires et des suggestions à faire. Hein. Si c'est permis, monsieur le président, de Seyas, pas de jury. C'est non, le jury permet tout à condition qu'on tienne dans les temps, c'est tout. Voilà, merci bien, président. C'est pour féliciter nos deux amis, les premiers à intervenir de France, sur l'expérience de la prise en charge des questions de l'enseignement de l'esclavage et des traites dans les lycées et collèges en France. Ils sont en train de faire un travail qui est extrêmement important. Et nous, au Sénégal, je parle bien de l'expérience sénégalaise, nous avons été formés à Marseille-Lumini, ensuite à Lyon en matière d'animation pédagogique, et nous avons pu mettre en place ici au Sénégal un ensemble de dispositifs extrêmement dynamiques en la matière. De sorte qu'au Sénégal, c'est un des pays où les enseignements de l'esclavage, la traite négrière et les abolitions sont des questions qui sont rigoureusement prises en charge et véritablement bien prises en charge. Dans le sens où les enseignants sont en général très motivés sur ces questions-là.
Ensuite, les programmes sont rigoureusement bien découpés dans les lycées, dans les collèges. On y enseigne la traite transatlantique, on y enseigne la traite arabe, on y enseigne la traite sur la façade orientale. De sorte que cette question est globalement posée et elle est abordée dans tous ses aspects. Nous avons un ensemble de supports pédagogiques et didactiques qui ont été confectionnés et mis en place grâce à l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie, qui a toujours été sur la sellette, qui a travaillé conséquemment à la réforme des programmes en règle générale et sur ces questions très pointues, qui est vraiment allé au fond des choses. Ensuite, c'est l'intervention de la structure de formation continuée avec des équipes de conseillers pédagogiques itinérants et des conseillers pédagogiques résidents. Et enfin, il y a l'intervention de la Commission nationale de réforme des programmes d'histoire et de géographie. Tous ces dispositifs fonctionnant très bien a fait que cette question de l'esclavage, la traite, c'est une question qui est effectivement très bien prise en compte dans le cadre de nos enseignements. Ce qu'il faut y ajouter, c'est que la question des lieux de mémoire est une question qui s'est posée en relation avec Gorée. Aujourd'hui, Gorée attire toutes les populations scolaires du Sénégal. De Matam, de la Casamance, partout les gens viennent à Gorée. De sorte que c'est une expérience qui est extrêmement importante. Moi, dans le cadre d'une conférence, dans le cadre au niveau de l'IFAN, j'avais attiré l'attention sur les autres sites de traite le long du fleuve Sénégal et sur la petite côte, qui ne sont pas encore investis malheureusement, pour dire simplement que c'est un enseignement qui est très dynamique. Nous avons des équipes qui sont très dynamiques, et ça aussi, nous le devons beaucoup à cette formation et à vraiment l'intervention de la mission française qui vraiment est encore très active sur ce terrain-là. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Je vais passer la parole derrière vous, s'il vous plaît, si vous pouvez passer le micro. Merci, Monsieur le Président. La question de l'enseignement de l'esclavage à l'élémentaire m'intéresse parce que j'ai une formation d'instituteur. Bien vrai que je suis doctorant, ça m'intéresse. Alors, la question que je vais vous poser va être très directe. Comment enseignez-vous l'esclavage face à la violence de cette pratique, à la sensibilité des enfants qui sont au niveau de l'élémentaire? Donc, autrement dit, quelle pédagogie et quelle approche utilise l'enseignant de l'élémentaire pour enseigner l'esclavage qui est d'abord accompagné de violence et la sensibilité des élèves? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, est-ce qu'il y a une question qui va dans le même sens ou pas? Oui. Oui. Sur l'enseignement. Non, le micro, hein, ou bien? Sur l'enseignement. Sur l'enseignement, oui. Sur l'enseignement, oui. Moi, ma question, c'est concernant l'enseignement de l'esclavage en termes de volume au niveau des programmes de France. En termes de volume horaire, est-ce que nous, en ce qui concerne le Niger, c'est seulement deux heures de temps qu'on a dans le programme de collège au niveau de la quatrième? Est-ce que je peux continuer? Si c'est sur l'enseignement, oui. Non, ce n'est pas sur l'enseignement. Alors non, désolé. Sur l'enseignement, je vous en prie. Donc moi, c'est une question pour Agnès et notre collègue en ligne, Marie-Albane. Donc j'ai moi-même participé au concours de la Flamme de l'égalité en tant que jury. Donc on pourra en parler plus tard en off. Je voulais savoir si, donc, premièrement, quelle est la proportion des enseignants qui s'engagent, c'est une question que je me suis toujours posée,
qui propose en fait des projets. Je voulais savoir si c'était quelque chose de répandu. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est-à-dire, voilà, combien de... est-ce que ce concours est connu? Moi, j'ai des enfants à l'école primaire, les enseignants ne connaissaient pas ce concours, donc est-ce que vous avez des chiffres? Voilà. Et pour Marie Alban, je me suis un peu penchée sur la question de l'enseignement de l'esclavage aux États-Unis, et j'ai cru comprendre qu'il y avait une réticence de la part de certains enseignants, un malaise à enseigner cette histoire. Est-ce qu'on retrouve, est-ce que dans vos travaux, dans les interviews que vous avez conduites, est-ce que vous avez des enseignants qui ne traitent pas de cette question parce qu'ils ne sont pas à l'aise ou pas formés, parce qu'ils ne veulent pas parler des problèmes de racisme? Marie Alban est dans l'Académie de Créteil, donc je ne sais pas si ce sont des choses que vous abordez dans vos travaux. Merci. Il y a d'autres questions sur l'enseignement? Oui, Dominique, pardon. Et puis, Dominique. Oui, je voulais signaler justement, puisque ça peut répondre peut-être à certaines des questions, que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a publié une note à la suite d'une étude des programmes scolaires donc tels qu'ils existent actuellement. C'était une actualisation justement sur un travail qui avait été fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc cette note est accessible sur le site de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et il en est sorti donc cette proposition pour, disons, non seulement évidemment faire une évolution sur les programmes, mais qui ont déjà beaucoup évolué, et on sait que c'est toujours long à faire, mais aussi, voilà, pour d'une part mieux suivre les pratiques pédagogiques, et Marie Alban de Surmain est évidemment très très au courant de cela, puisque en fait on souhaite, avec le ministère de l'Éducation nationale, donc qu'il y ait une enquête vraiment systématique sur l'évolution des pratiques pédagogiques. Et puis il y avait des propositions concrètes, en fait, donc le concours de la flamme de l'égalité en est un, mais aussi de pouvoir en fait justement mettre en évidence les liens entre esclavage, traite et racisme. Donc c'est un des points que Marie Alban de Sulma a signalé, et également donc travailler sur une terminologie aussi, voir donc l'adaptation de la terminologie utilisée dans les manuels, même si beaucoup ont déjà pas mal évolué. Donc toutes les autres propositions, je ne vais pas vous les donner là, mais vous pouvez aller les regarder. Et je voudrais vraiment du coup lancer aussi un appel, c'est peut-être déjà un élément aussi pour justement les suites du colloque, c'est que justement on puisse internationaliser un peu ces évaluations de la situation de l'enseignement. Enfin, je crois que c'est vraiment quelque chose qui répond à la demande de plusieurs personnes. Et donc n'hésitez pas à nous signaler, et puis on pourra essayer de voir comment on peut donc partager toutes ces informations avec le maximum d'entre vous. Voilà. Oh. Oui. Oui, ça, oui. Et ensuite, mais... Sarah Jean. Voilà. Je voudrais revenir à vous. Ok, merci. Moi, je voulais également intervenir sur le concours La Flamme de l'Égalité. Je suis également jury pour l'Académie de Nice. Et moi, je me posais des questions sur le choix des thématiques du concours chaque année. En 2020-2021, il y avait cette thématique autour de l'esclavage et crimes contre l'humanité. Et beaucoup d'enseignants ont été un petit peu mal à l'aise parce qu'il y avait un mélange de genre entre l'histoire de l'esclavage et de la traite, l'histoire de la colonisation et l'histoire du génocide. Donc voilà, c'était une question. Je sais qu'en ce moment, c'est plutôt sur le travail et l'esclavage. Et une autre remarque, je rejoins tout à fait ce que dit Marie Alban concernant la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique. Dans les dossiers que j'ai pu évaluer, l'Afrique, au moins le continent africain et l'Afrique de l'Est et l'océan Indien occidental ne sont absolument pas... choisi comme zone et thématique des travaux des scolaires. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a vraiment trop un focus sur l'Atlantique dans ce concours. Et j'ai une autre question pour Lucie après. Merci. Jean, tu voulais... Voilà, ça marche. Oui, vous avez soulevé une question tout à fait centrale. C'est la question du crime contre l'humanité.
Ce que je me demande à vous écouter depuis un moment, mais ça concerne aussi bien l'éducation que les questions mémorielles ou que les questions de militantisme. C'est si notre objectif est d'enseigner ou d'utiliser des savoirs sur l'esclavage, ou si notre objectif est de dire et de redire que c'est un crime contre l'humanité. Et si effectivement la question du crime et de son imprescriptibilité, donc qui fait que nous sommes toujours en face de ce crime aujourd'hui, si c'est ça la question centrale, la question du juridique change complètement. Et ce qu'il nous faut enseigner aux enfants, c'est ce qu'est la signification d'un crime. Par rapport à votre intervention sur la question de l'esclavage continental ici en Afrique, c'est très intéressant de voir comment, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du droit de l'esclavage en termes de droit social et pas de droit pénal. Hein, c'est un problème de propriété, de transmission d'héritage, de place dans la lignée, etc. Non, la question c'est, est-ce que c'est un crime ou pas? Et je crois pour ma part que si on ne prend pas à bras-le-corps cette question, on reste très en deçà de ce que nous devons faire. Aussi bien comme militant, comme historien, comme écrivain, ou comme enseignant à l'école primaire. Mais juste un mot, alors vas-y, je t'en prie. Tu veux le micro? Ah. Oui, on parle du primaire, du secondaire. J'aimerais juste donner une information par rapport à l'enseignement de l'esclavage et des études africaines dans les universités françaises. Ce que je peux dire, il n'y a pas de programme, bien entendu, du ministère dans les différentes facultés des lettres, mais il y a des universités où, dans les laboratoires, on travaille sur ces questions, mais au niveau de l'enseignement, ça reste à la volonté d'un enseignant de donner cet enseignement-là sur l'esclavage. Moi, je l'ai fait à l'Université du Mans, mais ça reste une volonté personnelle de l'enseignant et de ses intérêts de recherche par rapport à cette question. Mais il n'y a pas de volonté pour que ça soit fait dans toutes les universités françaises. Merci pour cette information. Alors, je vais donner la parole en ligne à Marie-Alban si elle veut rajouter quelque chose, et ensuite pardon. Je donne la parole au professeur Thiou avant de donner la parole à Marie-Alban. Pardon, je l'avais oublié. Oui. Elle est aujourd'hui très importante pour les institutions scolaires africaines. Et quand je regarde, quand je lis ce qui se passe un peu partout en Afrique, on a une très forte similitude. Quand je regarde comment l'esclavage et les traites sont enseignées au Cameroun à partir des communications d'hier, quand je regarde le travail qu'Ibrahim Seck a fait, on a les mêmes problèmes. Et vous voyez, ils sont en accord entre chercheurs. Mais tout de suite, quand vous allez aux praticiens de la classe, il y a une rupture. Le praticien de la classe, M. Aou, pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour enseigner l'histoire de l'esclavage et de la traite. Le problème, c'est d'abord ce que les chercheurs vont appeler le syndrome de Gorée. Vous êtes à Bakel, à combien de kilomètres de Gorée, un millier de kilomètres de Gorée, on va vous dire dans le programme, visite de Gorée. Alors que vous avez là le fort ou les marchés où les esclaves étaient vendus et vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'on ne vous l'a pas suggéré.
j'avais même parlé un moment que quand on passe du département d'histoire de la faculté des lettres au département d'histoire de l'école normale supérieure où on forme les enseignants, ils font un lavage de cerveau aux étudiants et surtout dans les écoles où ils font leur stage, on leur dit, oubliez ce que vous avez appris à l'université, on va vous dire comment on enseigne l'histoire de la traite et de l'esclavage. Et ça peut être des situations assez complexes, je termine par là. Un de mes anciens étudiants qui termine sa thèse sur l'esclavage me raconte que dans la classe primaire où il a étudié, les élèves étaient répartis, une rangée, les descendants d'esclaves, de l'autre, les maîtres, dans la classe. Et l'enseignant va faire son cours sur l'histoire de l'esclavage et de la traite sans problème. Pourquoi sans problème? Parce qu'il ne va pas enseigner l'histoire de l'esclavage, il va enseigner l'histoire de la traite. Et ça, ça réconcilie tout le monde. Parce que c'est les méchants européens qui sont arrivés, et ça, ça réconcilie tout le monde. Mais la question de l'esclavage ne va pas être enseignée, donc il n'y a aucun problème dans la classe. Alors que cette classe, normalement, on ne devrait pas pouvoir enseigner l'histoire de l'esclavage dans cette classe. Un autre ami à moi, qui est enseignant, dans le documentaire « Il intervient » que nous avons fait, il dit qu'il veut donner des prix, distribution de prix. Les trois meilleurs élèves sont des descendants d'esclaves. Celui qui sont le propriétaire de la maison où il habite, avec qui il en discute, lui dit, tu ne peux pas faire la distribution parce que tu ne vas pas donner les prix aux descendants d'esclaves alors que les maîtres sont dans la classe. Il a dû ajouter d'autres élèves, augmenter le nombre de prix pour pouvoir faire sa distribution de prix. Celui-là, demandez-lui d'enseigner l'histoire de l'esclavage, il ne l'enseignera pas. Il va enseigner l'histoire de la traite. Ça, c'est facile à faire. Voilà. C'est un vrai problème en Afrique. Merci beaucoup pour cette expérience. Alors, je vais donner la parole à Marie-Alban, parce qu'on n'a plus que 5 minutes, en fait. On vient de me rappeler, je suis le maître du temps maintenant. Je donne la parole à Marie-Alban en ligne, puis ensuite à Agnès ici, pour des compléments par rapport aux questions qui ont été posées sur l'enseignement, sur la violence de l'enseignement, sur la sensibilisation, la sensibilité des élèves à ces questions-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais répondre de façon brève, donc forcément insatisfaisante, mais je renverrai à l'enquête qui a été menée par l'INRP, feu l'INRP dans le passé, par Benoît Falaise et Sébastien Ledoux, qui avaient observé des pratiques de classe dans le primaire. Hein, c'est une enquête qu'on retrouve en ligne. Et ce que je pourrais dire de mon point de vue, non pas d'enseignant dans le primaire, mais de formatrice d'enseignant dans le primaire, c'est que le récit, s'appuyer sur le récit, peut aider à aborder cette histoire, hein, cette histoire dans toute sa violence et en même temps sans complètement traumatiser les enfants. Les enseignants, certains enseignants, ceux qui effectivement adressent cette question, peuvent utiliser des récits extraits, des passages extraits de l'autobiographie d'Olaouda et Cuyano. Et puis il y a aussi les ressources de la littérature de jeunesse. La littérature de jeunesse permet déjà de dire, hein, et l'art permet de dire, de représenter, de signifier, quelquefois sans passer par la brutalité d'une représentation iconographique qui peut être vraiment traumatisante. Donc le récit et puis quelquefois l'iconographie, mais en accompagnant les élèves. Et puis passer par le récit permet de montrer des acteurs, hein, des acteurs qui se représentent des situations, et c'est une façon de sortir aussi d'une forme de subalternité. Très rapidement sur les réticences ou non des enseignants du secondaire à aborder ces questions-là. Du coup, je dis un mot aussi sur l'enquête. L'enquête que je suis en train de faire, c'est une enquête, je dirais, de périmètre local. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'Académie de Créteil, donc ça fait longtemps que je voudrais creuser un peu et faire une enquête qui n'aura pas le cadre systématique de ce que va entreprendre la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et c'est très important qu'elle le fasse. Et si cette enquête de périmètre limité peut être utile, tant mieux. Mais elle n'a pas du tout le même périmètre, pas la même envergure. Donc, ce que je peux constater, du moins dans l'Académie de Créteil, en formation initiale, continue, en visite de classe et puis à travers ces entretiens, c'est qu'il n'y a pas réellement de réticence, hein, pour aborder cette histoire. Les jeunes stagiaires, parfois, ou
voilà, quelques petites craintes, mais la plupart des enseignants, enfin du moins ceux que j'ai rencontrés, soulignent que ces questions qu'on dit sensibles ou socialement vives suscitent l'intérêt des élèves. Il y a une forte demande de la part des élèves. Donc ce sont des questions qui intéressent très fortement les élèves, et s'il peut y avoir quelques réactions un peu vives en classe, bon, les enseignants, c'est un métier qui s'apprend, apprennent effectivement à faire redescendre la tension et à construire des savoirs avec les élèves. Donc ce sont pour le coup plutôt des questions passionnantes. Dans les derniers entretiens, les enseignants vraiment soulignaient qu'ils n'avaient pas de réticence à l'aborder. Ils font simplement attention dans la manière de choisir les documents. Ils savent que certains documents peuvent très violemment heurter la sensibilité des élèves, donc il faut les accompagner et puis être vraiment dans la construction de savoirs, hein, pour arriver à mettre une distance critique par rapport à ces questions et ne pas être écrasé par effectivement cette histoire traumatique. Mais justement, la regarder en face, tout mettre sur la table, comme dirait le professeur Seck, et puis construire des savoirs solides avec cela, c'est très émancipateur. Je voudrais continuer la discussion, mais il fallait que je vienne à Dakar. Tant pis pour moi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Agnès. Alors, je vais essayer d'être très brève aussi. Donc, sur le concours de la flamme de l'égalité, j'ai pas vraiment de chiffres de nombre d'enseignants qui participent, parce que donc c'est des projets souvent pluridisciplinaires, donc c'est pas forcément un seul enseignant qui se lance dans le projet. En revanche, on a le nombre de projets chaque année, en fait, ça a environ entre 200 et 300 projets, et ça représente la mobilisation de 2000 à 3000 élèves chaque édition, disons. Ensuite, sur le choix des thématiques, donc ça c'est une question très intéressante, et en fait ces thèmes-là, ils sont choisis par le comité de pilotage du concours qui regroupe les représentants de chaque organisateur. Donc c'est un concours qui est organisé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage avec d'autres acteurs institutionnels, dont le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi d'autres ministères, la DILCRA, la Ligue de l'enseignement. Donc chacune de ces institutions a une dynamique différente par rapport à ce sujet-là. Et donc pour le thème des crimes contre l'humanité, c'était clairement pour se mettre en adéquation, je dirais, avec l'agenda politique mémoriel de cette année-là, puisque c'était les 20 ans de la loi Taubira qui caractérisait les crimes de l'esclavage et des traites comme des crimes contre l'humanité. Voilà. On pourra peut-être en discuter davantage à midi. Mais puisque je suis censé frustrer tout le monde, alors je vais prendre une dernière question, parce que le temps nous est compté. Une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais remarque ? Oui, tout simplement à propos de la question de la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique et en particulier de l'océan Indien. Je peux citer l'initiative de deux associations à La Réunion, l'une qui milite pour la réhabilitation de la prison désaffectée, qui est une friche urbaine au centre-ville de Saint-Denis, qui a la prison Juliette Baudu, qui a pendant très longtemps détenu des marrons et aussi des engagés, c'est l'association Quartier Libre, et puis aussi à Saint-Pierre, le travail donc d'enseignant qui, pour l'association Capeline 974, fait ressortir l'histoire de l'habitation Kervegen, qui était l'une des plus grandes habitations souffreries de l'île. Hein, c'est encore des initiatives locales qui sont méconnues et qui sont intéressantes à souligner. Cette intervention, la dernière question, s'il vous plaît. Ok, thanks for the opportunity. My remark and question go to Lucy Mboni. It is true that museums are located in almost all the regions in Cameroon, but most of them are in the west region of Cameroon. And as you rightly said, they are located in palaces. The people, though the creation of this museum is for primarily to display the power and authority of Fons. Fons are chiefs or leaders of villages in that part of the country. And the location of these museums make it almost impossible for natives to visit because they fear the Fon. Now, if we take that into consideration and
and the idea of museums not representative of the people's mind, but that of the elites of that of those villages. I have these questions for you. How did you assess the transmission of slavery and slave trade in a social in the social context where people don't visit museums? Secondly, how many museums display slavery and slave trade? Given that only two of museums in the West region display slavery or slave trade, that is, those are the museums of Bamejida and Chang. Are these two museums representatives of all the museums in the West region? And lastly, how do you measure the transmission aspect of museum, given that the aim of these museums is not to transmit? Alors, il s'agit d'une question qui est adressée à Lucie sur les chefferies de Grassfield, dont les musées sont toutes logés dans les chefferies, qui ne sont pas accessibles aux populations. La question qui est posée, c'est de savoir quelle est la place que peuvent avoir ces musées dans la transmission de la mémoire. Oui, merci beaucoup. En réalité, je vais partir rapidement, vu qu'on est tenu par le temps. Je vais partir rapidement sur la première question qui était celle de savoir la représentativité de ces institutions par rapport à la transmission de la mémoire et le fait que les institutions ne sont pas visitées par les communautés. J'ai fait également face à cette réalité sur le terrain et je me suis finalement rendu compte qu'en réalité, et selon les dits des populations que j'ai consultées, ces musées conservent des copies, généralement des copies des objets qui sont qui sont utilisés au quotidien par les populations. Donc, un rapprochement fait auprès de ces populations, nous avons remarqué que effectivement, et selon les dits des communautés des populations, j'ai pas la prétention d'avoir consulté le maximum qu'il fallait, et c'est pourquoi j'ai précisé qu'il s'agit d'un travail en cours. Et ces populations pensent qu'il n'est pas forcément nécessaire pour eux d'aller au musée pour être en contact avec cette mémoire-là. Et cela rejoint le travail de Daris sur les rites qui se font dans des carrefours. Donc, les objets qui sont au musée sont des copies, sont des représentations de cette mémoire qui se vit au quotidien dans des familles. Et là, une autre séquence du travail qui n'a pas été présentée et qui nous a fait un peu évoluer dans cette réflexion, c'est justement le marché de Lapou à Bangou, qui est considéré comme un musée en plein air, et qui permet, en fait, qui casse un peu les barrières murales des musées dans les communautés et va vers le public où chacun peut rendre visite, peut rentrer en contact avec cette mémoire-là. Certes, il s'agit là de la représentation du pouvoir ou comme la communication du matin l'a si bien précisé, mais en réalité, cette cassure des barrières des murs de la chefferie, des chefferies et le rapprochement aux communautés permet de rencontrer cette mémoire-là. Et sur le but des musées, il est important d'être d'accord un peu avec vous sur la récupération, ce que j'ai dit tantôt, la récupération de ce fait-là par les pouvoirs, à la fois traditionnels, parfois, pour certains, et les pouvoirs publics. Finalement, il y a tout un mélange à la fois d'une volonté mercantile de se faire un peu un nom, parfois symbolique aussi, se faire un nom, se faire de l'argent par ses pouvoirs. Mais après, il ne faut pas nier le côté vraiment
de remémoration et puis d'exorcisation surtout de cette mémoire-là. On nous fait des signes. Peut-être on pourra continuer la discussion après. Bien. En donnant la parole à Oumar Moussa, qui va poser une question sur les ONG, et ce sera l'occasion de donner la parole également en réponse à l'auteur. Est-ce qu'il veut bien prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, c'est plutôt une contribution. Hein. Je serai bref. Mais il faut vraiment être très bref si c'est une contribution. Je serai bref. Vraiment. Voilà, donc, je suis Moussa Oumar de l'Université Abdoulaye de Niamey. Je suis ancien de Père Esclavage, ordonné par professeur Tchoup, et présentement membre de AFRAB, coordonné par Bénédicte Arossi. Donc la contribution, c'est par rapport à l'activisme au niveau du Niger, qui est animé par l'association Timidiria, à travers des actions multidimensionnelles. La recherche-action, le soutien des victimes dans plusieurs domaines. Il y a également la création d'écoles communautaires, comme on sait que c'est par l'éducation qu'il va falloir vaincre ces questions-là. Timidiria a jugé utile de créer des écoles communautaires. Au niveau de la recherche-action, il y a eu le projet Leslan qui a soutenu Timidiria, projet coordonné par Bendetta. Et dans le cadre de ce projet, il y a eu également plusieurs activités, telles qu'une exposition sur la question de l'esclavage. Il y a eu des activités menées par des artistes qui animent des soirées à travers le territoire. Il y a eu également l'élaboration d'une étude que moi-même j'ai eu l'occasion de coordonner. Donc, comme on m'a dit d'être bref, j'ai été bref. Merci. Merci beaucoup pour cette brièveté et je remercie tout le monde d'avoir assisté à ce dernier panel et je remercie la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et l'Agence universitaire de la francophonie. Et je remercie le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, d'avoir honoré de sa présence les assises de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ainsi que le représentant du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci Jean-François. Merci à tous d'avoir été là et bravo à vous. S'il vous plaît, juste une seconde. Je vous rappelle que nous... S'il vous plaît, un petit silence. Je voulais simplement vous rappeler que nous sommes censés reprendre à 2h30, ce qui évidemment ne sera pas le cas vu le retard que nous avons pris. Donc le plus tôt possible.